هنا مدينة بيتو المحاطة بأكبر الأبراج التي تضم أكبر وأوسع الشركات بفرنسا وفي العالم بأسره. وداخل هذه القاعة الجميلة حضر عدد كبير من المشاركين باختلاف أعراقهم وألوانهم وانتماءاتهم السياسية. الهدف كان وحيدا، ألا وهو حضور الندوة المنظمة بشراكة بين مكونات من الضفتين فرنسا والمغرب. وبما أن المغرب أرض التاريخ والمستقبل، تم التطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فالندوة تأسست بحضور وازن لكبار الشخصيات من البلدين، وعلى رأسهم عمدة مدينة بيتو وقنصلة المملكة المغربية بكولومب وعدد كبير من الفرنسيين والمغاربة وعدد من المحاضرين المغاربة الذين أبدعوا في رسم صورة جميلة عن المغرب رغم الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالعالم بأسره، وكذا الأشواط التي قطعها في العشرية الأخيرة إلى أن أضحى قبلة لأكبر الشركات العالمية والفرنسية منها للاستقرار في منطقة تعرف استقرارا سياسيا وأمنيا قل نظيره مقارنة مع أكبر الدول بالمنطقة. كاميرا إيميغو فانت كات كانت حاضرة في هذا الملتقى واستقت لكم تصريحات لأكبر الشخصيات التي أغرت النقاش. s'inscrit dans le cadre de la coopération que nous avons avec la mairie de Puto. C'est une coopération économique et donc nous avons invité trois conférenciers. Deux qui sont venus du Maroc avec M. Bomba, qui a été invité par la mairie. Donc les deux docteurs en sciences politiques nous ont exposé pratiquement et spécialement les sujets sur les investissements au Maroc, les opportunités avec le cadre réglementaire, avec les organismes qui interviennent pour ceux qui sont intéressés par l'investissement au Maroc. Ce porteur de projet. Et voilà, aujourd'hui nous sommes donc réunis pour ce deuxième forum économique de la ville de Puteaux. C'est un forum d'importance puisque nous avons signé un pacte d'amitié avec la ville de Tanger. Et donc nous souhaitons aller plus loin. Nous souhaitons que ce pacte d'amitié ne soit pas simplement une signature en bas de parchemin. Il faut vraiment que ce soit des choses concrètes qui se dessinent. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait les premiers pas. C'est de contribuer donc au développement du PIB, non seulement par le secteur agricole, mais aussi par le secteur industriel, parce que le secteur agricole, elle est instable, donc on cherche, et il dépend aussi aux aléas climatiques, on cherche à donner plus de souffle au secteur industriel. Dans ce cadre, le gouvernement marocain a adopté le plan d'accélération industrielle 2014-2020. Voilà, il a défini la charte d'investissement de 2016, qui va donner donc plus de chances aux investisseurs en termes de primes, en termes de subventions, en termes d'aide. Dans ce cadre, il a mobilisé pas mal d'instances pour donner ces aides, telles que par exemple le Fonds d'investissement et développement et le Fonds Hassan II, donc des aides qui diffèrent, donc ça dépend du statut de l'investisseur, ça dépend aussi de la nature de l'investissement, mais on pose des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que l'investissement remplisse certaines conditions de base. Ça veut dire, un exemple simple, que le montant de l'investissement dépasse pas parfois donc les 5 et les 10 millions, et que l'investisseur doit opérer dans un secteur bien déterminé, secteur d'activité, c'est-à-dire pointu, c'est-à-dire qui ramène la technologie de pointe, qui protège l'environnement, qui assure un transfert de technologie, retransfert aussi de capitaux, etc. etc. Voilà, nous sommes là unis pour assister à cet événement et pour transmettre un message aux investisseurs que le Maroc, elle est là. Le Maroc, il est en croissance pour investir là où il y a un environnement propice. Et merci. Le Maroc a tous les éléments de l'écosystème. Premièrement, ils ont un tissu économique très dynamique. Quand on voit la croissance que le Maroc connaît depuis à peu près 10-15 ans, et pour être très factuel, si on veut rester un peu à l'échelle des hommes, c'est vous partez de Casa 2 mois, ou de Marrakech, ou de Rabat, quand vous revenez, votre quartier a changé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une dynamique économique très très forte. La deuxième chose, c'est qu'il faut également des hommes pour pouvoir le faire. Et le Maroc a mis en place un écosystème éducatif
qui permet d'avoir des ressources pour pouvoir le faire. Et le troisième élément, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le Maroc a créé un tissu financier, notamment avec BMCE, avec Tijari, avec le Crédit Agricole. Donc toutes ces banques-là ont donné une puissance économique qui permet de soutenir l'économie. Et la troisième chose, c'est que en termes d'avantages concurrentiels, le Maroc a développé également une autorité de plateforme pour les investissements, pour pouvoir avoir un rayonnement sur un continent d'un milliard de personnes. À partir du Maroc, on peut avoir un rayonnement sur ce continent-là. Et ça, c'est la force principale du Maroc aujourd'hui. Donc oui, j'encourage vivement tout investisseur à venir s'installer au Maroc, à venir tenter l'expérience Maroc. En plus, on met les infrastructures, il y a Casanier Shore, il y a tous ces éléments qu'on a créés pour pouvoir stimuler justement l'investissement. Pourquoi hésiter ? Il faut y aller. Alors, Morocco Tech Forum, en fait, c'est une plateforme de rencontre entre les investisseurs, en l'occurrence les capital risqueurs, et les entreprises, des entreprises précisément innovantes qui innovent dans le secteur de la haute technologie. Ça sera une plateforme qui sera tenue, enfin c'est une rencontre, c'est un forum qui sera tenu à la Foire internationale de Casablanca le 16 et le 17 novembre 2017. Et ça sera l'occasion pour les investisseurs pour de découvrir ces opportunités de croissance dans un certain nombre de secteurs à forte valeur ajoutée technologique, mais qui connaissent également une croissance à la hauteur de deux chiffres. Je représente le maire de Tanger. On a signé incessamment, il y a quelques années, une convention avec la mairie de Puteaux sur plusieurs thèmes, plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler sur les problèmes sociaux, les affaires culturelles, les affaires sportives, et aussi sur des services communaux. Par exemple le transport en commun, la collecte, le transport et la valorisation des déchets, la mobilité durable et plusieurs points concernant les services communaux. Donc pour ma part, j'ai pensé et choisi le Maroc parce que le Maroc c'est les portes ouvertes sur l'Afrique, c'est les portes de l'Afrique tout simplement. C'est un pays qui est en pleine émergence au niveau de tous les marchés, que ce soit dans le domaine de l'informatique, du digital, que ce soit dans le domaine du transport avec les voitures électriques qui sont un projet. Il y a tout plein de projets, donc pays en pleine émergence comme je l'ai dit précédemment. Et également c'est un pays super chaleureux, super accueillant et qui vaut le détour. Il y a énormément de choses à faire, n'hésitez pas à aller au Royaume du Maroc, vous ne serez pas déçus. Soleil et bon accueil garanti.